déjà, Béatrice Lemar, c'est une romancière et elle est spécialiste des parfums au fil du temps. Déjà, ça parle des aventures d'une égalité qui vivent en Égypte sous Ramsès II. Des aventures et voilà. Alors, du coup, je vais vous lire un extrait du tome 1. Hector s'occupe du trésor d'Amon, c'est-à-dire de tous les objets précieux utilisés pour le culte, comme les vases en or, les huiles, la myrrhe et l'encens. Anquet souffla un pichonnet. Il est venu avec mon père avec des pierres du temple, poursuivit Néri. Il prétend que père a volé un vase appartenant au dieu. C'est faux, bien sûr. Comment dirait-il? Je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Père ne l'apprécie pas beaucoup, mais j'ignore pourquoi. Que vas-tu faire? Néri me va vers elle, les yeux désemparés. Je dois sortir mon père de là! Avant qu'on l'arrête, il m'a dit que je devais porter des documents au vizir pour prouver son innocence. Mais j'ignore quels sont ces documents. Je ne sais même pas où se trouvent. Mon père porte tous ses papiers russes importants dans son bureau. Hier soir, j'ai essayé de rentrer chez moi pour le chercher. Et alors, comme je le craignais, je n'ai même pas pu passer la porte. La maison était gardée. Bon, j'y allais. Il va la trouver un plan. Et pour savoir la suite, vous pouvez lire ce livre. Et voilà, je vous rappelle qu'il y a les deux tomes. J'espère qu'on les voit bien là, comme ça. Mais personnellement, j'ai préféré le tome 2, mais les deux tomes, ils sont bien. Voilà. Et du coup, je vous invite à les lire tous les deux, ainsi que les autres livres de Béatrice et Léna. Voilà. Elle doit donc prendre un train pour rentrer chez elle. D'accord ? Donc vous dépêchez, vous détournez vos parents dès la sortie de l'école ou du collège. Vous êtes sur quelle classe hein ? En session qui est. Donc les sixièmes, je ne sais pas quelle heure vous finissez, vous avez certains qui finissent. Je la laisserai dès 16h à ce moment-là. J'irai chercher ma fille, mais elle sera là même dès 16h. D'accord ? C'est important à savoir. Donc du coup, on va dire 16h ou 17h. Oui. Bon, ben, écoutez, moi je suis ravie d'être là. J'ai écrit ce livre il y a quelques années, ça doit faire 3 ans, 4 ans, c'est tout. Depuis, j'ai un peu quitté l'Égypte, mais en fait, j'ai écrit plein de livres qui se passent en Égypte ancienne, parce que moi, c'est un pays, une civilisation qui me fascine depuis toujours. Donc j'en ai écrit 8, je crois, qui se passent en Égypte. Donc là, j'aimerais bien avoir une idée combien vous êtes à l'avoir lu ou à avoir lu certains passages. Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y en a qui ont lu le livre en entier? Oui, il y en a quand même quelques-uns, c'est bien. Et est-ce que vous avez préparé des questions sur le livre, des questions sur mon travail d'écrivain, des questions sur... la publication d'un livre, on peut commencer par là, commencer par des questions. C'est toujours difficile d'être le premier à se lancer, mais sinon je vais vous aider un peu. Il y a un micro pour... Oui, il y a un micro. Oh, ben là, la salle n'est pas grande et en plus, il y en a... Oui, mais c'est le bas du micro. Fais attention, ne tracez pas dans l'engrenage. Oui. Ah. Oui, je t'écoute avec ce micro. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Pourquoi j'ai... Comment vous avez écrit ce livre? Alors, j'ai écrit ce livre, comme tous mes livres en Égypte ancienne, parce que c'est une civilisation qui m'a toujours fascinée. Et quand j'étais enfant, je n'avais que des livres documentaires sur l'Égypte, tu vois. J'avais un livre de photos. Attends. Alors, en attendant la prochaine question, baisse ton bras parce que tu vas avoir des crampes. Donc, quand j'étais petite,
que pour me nourrir ma passion sur l'Égypte, je n'avais que des livres documentaires. J'avais un superbe livre de photos sur la découverte de la tombe de Toutankhamon, avec tous les merveilleux objets qui sont dans la tombe de Toutankhamon, les statues d'albâtre, les petits serviteurs. On parlera de ça si vous voulez, hein, les Ushabti, c'est-à-dire les personnages que les hauts dignitaires égyptiens faisaient enterrer avec eux en s'imaginant qu'ils deviendraient des vrais serviteurs au paradis. Et tous ces livres me fascinaient, mais je n'avais pas de roman. Donc, quand j'ai commencé à écrire, que j'ai été publiée avec des petites histoires de lutins, de cartes magiques et autres, je me suis dit, je pourrais commencer à écrire des romans que j'aurais aimé lire quand j'étais en sixième. Voilà. Donc, c'est ça. C'est des romans, découvrir l'Égypte, mais à travers de l'action, à travers des aventures, dans lesquelles je glisse beaucoup de détails sur la vie quotidienne des Égyptiens, pour vous les apprendre, mais de manière agréable, pas comme un documentaire. Les documentaires sont agréables aussi, mais c'est autre chose. Alors, la jeune fille qui avait levé son bras. Tu te fais piquer le micro. La demoiselle à votre droite, avec un bandeau noir. Parle bien dedans. Une fois que vous êtes inspiré de ces livres. De quoi je me suis inspirée, c'est ça? Alors, tous les romans que j'ai écrits en Égypte ancienne, pour être sûr de ne pas écrire de bêtises, parce que la civilisation en Égypte ancienne a duré des milliers d'années, je les situe tous sous l'époque de Ramsès III, qui n'est pas le plus connu des pharaons. Mais je trouve cette période très intéressante parce qu'il y a plein d'aventures et de faits divers à cette époque. Donc j'ai choisi cette époque parce que il y avait des affaires, il y a eu la première grève de l'histoire pendant cette période, il y a eu des affaires de tombes violées et volées par des pillards, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a eu des découvertes dans les mines d'or et il y a eu des complots dans l'entourage de Pharaon. Donc, en fait, je suis partie d'histoires réelles qui se passaient pendant le règne de Ramsès III. Donc, quand j'écris des livres historiques, ce qui est ce que je préfère écrire, je choisis une époque que j'aime particulièrement, et puis je me documente cette époque, et souvent je m'inspire de faits divers, d'histoires réelles. Voilà, voilà pourquoi je suis partie pour écrire cette histoire. Et puis, j'avais envie de mettre en scène un tandem. Est-ce que vous savez comment s'appellent les deux héros qu'on voit sur la fiche du fils du traître, voilà. Quels sont leurs prénoms? Oui. Anouket et Mary, voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez me les décrire brièvement, leur caractère, ou à quoi ils ressemblent? Est-ce que quelqu'un qui l'a lu veut le faire? Sinon, je le ferai, hein, pas de problème. Personne se lance? Alors, est-ce qu'ils sont... C'est des frères et sœurs? Non, c'est pas des frères et sœurs. C'est tout. En fait, ils ne se ressemblent pas. J'ai voulu créer deux personnages très différents. Alors, Mary, ce jeune garçon-là, il est sérieux, bon élève. Il vient d'une famille privilégiée, parce que son père travaille pour le temple d'Amon. Amon était le grand dieu de l'époque. Hein. Et il sait écrire des hiéroglyphes, par exemple. Il a appris à écrire, il a appris à compter. Il a une vie protégée, il y a sûrement des serviteurs dans sa maison. Et Anouket, pas du tout. Anouket, son père tient une taverne sur le bord. Elle ne sait pas écrire ni lire, évidemment. Personne n'a pris la peine de l'apprendre. Elle travaille à aider à la taverne depuis qu'elle est toute petite. Elle est beaucoup moins instruite que Mary, mais elle est aussi beaucoup plus dégourdie. Elle sait beaucoup plus se débrouiller dans la vie parce qu'elle a eu l'occasion de connaître des gens beaucoup plus. Donc c'est un petit tandem, un peu improbable, un garçon et une fille qui vont se rencontrer parce que subitement le père de Mary est arrêté par la police. Et donc là, il se retrouve à la rue, il fuit et il va trouver cette petite fille qui va devenir son amie et qui va l'aider à se débrouiller pour innocenter son père. Voilà, la prochaine question. Oula, mesdames, la Zébastien va faire des choix. Je vais le micro, tu vas essayer de parler. Bon, tu sais, je crois que là j'ai un peu répondu. Parce que quand j'écris, moi je choisis des sujets qui m'intéressent, qui me font plaisir. Et l'Égypte est une civilisation qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'intéresse à l'Égypte ancienne? Alors, j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît dans l'Égypte ancienne.
l'ancienne, parce que je me suis aperçue qu'il y avait plein de raisons différentes d'aimer les gitans. Alors Sébastien va devoir naviguer entre tous ses bras. Oui, bon, on a fait parler tout ça à tour de rôle. Oui, sans micro, allez, sans micro, oui, oui. Très très fort à tour de rôle. Alors, tous ceux qui lèvent la main, en fait, vous allez vous mettre debout, puis vous allez parler à tour de rôle, pas manger, puis vous asseoir. D'accord, voilà. C'est moi. Allez, sur debout. On va commencer par là. On commence par la manger. Pourquoi est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu as fait poser? Les histoires anciennes. Oui. Dans la même rangée, il n'y a pas d'autre. Pareil, voilà. Oui, si c'est pour la même raison. Bien sûr. Oui, mais ça, c'est bien de le savoir. Allez, c'est premier rang. Allez, je vois qu'il y a deux, trois, cinq. Alors, très bien. Pourquoi est-ce que vous aimez l'Égypte ancienne? Les pharaons, la personne du pharaon, c'est ça, avec son pouvoir particulier pour les toits, c'est les pharaons. Et toi? Alors, les pyramides, c'est-à-dire que tu es impressionné par les monuments, hein, par ceux qu'ils ont bâtis, et les pharaons aussi, ça fait plaisir. Vous pouvez prendre les pyramides. Non, pas de l'autre côté. Une autre rangée. On commence par le fond, tiens, ça change. Allez, les garçons. Alors, attends, là, pour l'instant, c'est bon. Le fond, le fond, le dernier rang. Voilà. Hein? Pourquoi est-ce qu'on aime l'Égypte, ceux qui aiment l'Égypte? Oui. Les tombes. Oui, et les mythes de l'au-delà, et oui, c'est l'impression des sarcophages. Oui, les pyramides, donc les monuments. Oui. Allez, pour vous asseoir, vous faire le mur, ensuite il reste le mur. Debout, debout, debout. Oui, oui. Avant, si tu veux poser une question, ce sera juste après. Non, on a répondu à ça. Oui. Alors là, je n'entends pas. Pour ceux qui sont dans les tombes, les objets, c'est ça, un peu les objets d'art, tu les trouves beaux et intrigants. Oui. Pour les hiéroglyphes, les tombes, évidemment. Oui. Dans un roman comme
suis paresseuse, je ne vais pas apporter en train avec moi, mais bon, je fais quand même une bonne épaisseur. Comment est un personnage, à votre avis, dans un roman? Est-ce que vous avez une idée? Donc tu dirais qu'il y a 6 personnages dans un roman. Il faut 6 prénoms. Oui. 3 personnages. Oula, c'est la tête à tête. Alors, pour l'instant, vous n'y êtes pas. Hein. Je parle de tous les personnages, même ceux qui font une apparition dans la film, mais auxquels on doit donner un nom. Bon, alors non, je vous dis, il y a à peu près 12 de personnages dans chaque film quand même. Bah oui, et oui. Il y a déjà 2, 3 ou 4 personnages principaux. Il y a tous les gens qui vont croiser, qui vont interviewer, qui vont questionner, le nom des méchants, qui les poursuivent. Il y a pas mal de personnages quand même. Donc il y en a une douzaine. Ce qui veut dire que dans chaque livre, il faut 12 de prénoms. Et évidemment, j'ai à cœur de donner les prénoms réels qui existaient en Égypte ancienne et en plus, qui étaient à la mode en Égypte ancienne à l'époque, que je décris dans le livre. L'Égypte ancienne, ça durait moins de 1000 ans, donc il y a eu des modes. Et là-dedans, donc, je me suis fait des listes. Donc chaque fois que je lisais un livre d'histoire pour m'informer sur l'Égypte, je copiais à la main tous les prénoms que je trouvais, avec prénom masculin, prénom féminin. Et comment je choisissais dans tout ça, à votre avis, est-ce que vous avez une idée, comment choisir les prénoms pour un livre égyptien? Je ne parle pas de prénoms qui existent aujourd'hui. Parce que ce sont des prénoms que vous n'avez sûrement jamais entendus. Donc comment est-ce que j'ai fait ce choix? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand vous êtes allé en Égypte, vous avez peut-être entendu des noms. Alors, quand je suis allée en Égypte, ce n'est plus la civilisation pharaonique. Non. Donc entre-temps, l'Égypte a été musulmane. L'Égypte a subi des influences de pays occidentaux dans l'époque moderne. Donc les prénoms, ce n'est plus les prénoms égyptiens d'aujourd'hui. Non, je vais vous dire comment j'ai choisi. J'ai choisi des prénoms déjà que je trouvais faciles à retenir. Parce que les prénoms égyptiens sont composés, pour certains, d'une manière qui leur donne un sens. Par exemple, bien-aimé du dieu Amon ou autre. Ce qui fait qu'il y en a qui sont hyper longs. Il y en a le prince qui ont rencontré dans l'histoire et qui aura une grande importance dans l'étrangère. Le fils de Pharaon, ce jeune homme, qui a une coiffure typique des jeunes nobles, rasé avec une espèce de tresse d'un côté. Je l'appelle le prince Amenère, mais dans la vie, parce qu'il a existé, il s'appelait Amenère Coptès, quelque chose comme ça. C'est-à-dire un nom hyper long. Alors tous les prénoms hyper longs comme ça, genre Amenère Coptès, un truc comme ça, je ne les prends pas, parce que les enfants comme vous qui vont lire le livre, ils vont même pas arriver à lire ce prénom, c'est trop compliqué. Ensuite, pour que vous ne confondiez pas les personnages, il faut que je prenne des prénoms qui se ressemblent, qui se ressemblent pas. Par exemple, il y a 2 prénoms différents pour les garçons, Mary et Séni. Mary avec un Y, Séni avec un Y. Vous imaginez le dialogue si je prends les 2 personnages comme héros? Bonjour Mary, dit Séni. Comment vas-tu Séni, dit Mary. Mais je vais très bien, Mary. Et toi, Séni? Le lecteur, au bout de 3 pages, il va dire maintenant lequel je suis là. Bonjour, c'est pas possible. Donc il faut prendre des prénoms qui sont assez différents les uns des autres pour que vous vous en rappeliez. Donc là, à Anouklette, quand j'ai trouvé ce prénom, j'ai trouvé très mignon parce que ça ressemble un peu à Anouk, qui est un prénom qui existe aujourd'hui pour nous. Et je pensais que vous n'auriez pas de mal à mémoriser. Voilà. Donc voilà, le choix des prénoms, c'est vraiment un gros travail pour essayer que la lecture soit la plus facile pour vous, tout en prenant des prénoms que je n'ai pas inventés qui sont vrais. Alors, en combien de temps j'ai écrit un livre? Eh bien, quand c'est des livres historiques, je passe en général 1 mois ou 2 à me documenter avant de commencer à écrire. Et après, la phase d'écriture, moi j'écris pas très vite. Je mets 2 mois ou 3 mois à écrire un livre, un roman historique. Pas une histoire pour tout petit, il y a très peu de textes, parce que j'en ai pas beaucoup, ça va vite. Mais un livre comme ça, j'ai mis plusieurs mois. Alors, à votre avis, je vais vous faire travailler un peu vos neurones. Sur quoi est-ce que je dois me documenter pour écrire un livre comme ça qui se passe en Égypte ancienne? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Rien? Ah,
Oui. Comment ils vivent là-bas? Comment ils vivent là-bas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de savoir quoi? Cherche Dieu, oui, très bien. Et concrètement? Oui. Avec leur canard rôti ou leur bœuf grillé.
Avec un pain. Du riz? Non. Il n'y avait pas de riz. Ils ne connaissent pas encore le riz. Ni de pommes de terre. Ça n'a pas de riz. Et oui. Ça marche. On voit du son. Plus fort, vas-y. Des fruits, elle dit, mademoiselle. Oui, des fruits, alors, pas tous les fruits. Dans les courants, vous trouvez souvent les héros en train de manger un fruit qui est plutôt rare chez nous, qui est les figues. Il y avait pas mal de figues. Voilà. C'est trop joli, ces figues. Ah oui, très bien, c'est la bête. Des raisins aussi, des grenades. Des dattes. Il n'y avait pas de pommes de terre. Ça vient d'Amérique. Voilà, des courges, alors peut-être pas forcément les mêmes courges que nous. Ils mangeaient des pois chiches, beaucoup de pois chiches. Ils mangeaient des légumes racines comme des navets. Ils mangeaient des fèves, je ne sais pas si vous connaissez les fèves. Ils mangeaient beaucoup de salades. Il y a même la salade qui intervient dans les histoires de Dieu, aux Russes et de Seth. Tiens, c'est vrai, vous n'avez pas parlé des histoires de Dieu, les Égyptiens. Lorsqu'on a parlé des raisons vous fasciner en Égypte ancienne, vous n'avez pas parlé des histoires de Dieu, d'Isis et Osiris. Ils mangeaient des concombres. On ne sait pas faire ça. Alors, encore sur la nourriture, vous avez des questions sur autre chose? Autre chose? On passe à autre chose, dans la nourriture, ça va. Ils faisaient aussi des espèces de gâteaux, mais alors, comme dans toutes les civilisations de l'Antiquité, les gâteaux, ce n'était pas des choux à la crème, des tourbeaux noirs, c'était des millefeuilles. Hein. C'était plutôt des espèces de pain sucré. Mais ils ne connaissaient pas le sucre raffiné qu'on connaît maintenant, qui vient de la canne à sucre ou de la betterave, et sucré avec du miel. Alors, on va passer aux autres questions, il y en a plein. Bon, alors, vas-y. Est-ce que ils baptisaient sur le sable, c'est ça? Eh bien, alors, ça, c'est intéressant. En fait, oui, ils baptisaient sur la terre d'Égypte qui était sableuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons n'étaient pas très durables. Est-ce que vous savez pourquoi les maisons des Égyptiens ne duraient pas très longtemps? Donc là, si vous levez la main pour une question, ça n'attend pas. Là, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi les maisons en Égypte ne duraient pas forcément des années? Quelqu'un a une idée? Toi, tu aurais une idée? En bois? Non, c'est pas pour ça. Bon, je vais essayer de faire répondre quelqu'un, mais à mon avis, je n'ai pas la réponse. Oui, tu as une idée? Non, c'est pas à cause du sable, non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez déjà vu une carte de l'Égypte? Une carte de géographie de l'Égypte? Non. L'Égypte, c'est un pays qui est tout en longueur. Et il y a quelque chose de très important au milieu de ce pays. Si on voit une carte, c'est un fleuve. Vous savez le nom du fleuve qui est en Égypte? Le Nil, voilà. Et le Nil avait, je dis avait parce que maintenant il y a des barrages, un peu différent. Il avait une caractéristique bizarre, c'est que débordait énormément chaque année. Il y avait des crues du Nil et les saisons d'Égypte, ce n'était pas automne, hiver, printemps, été comme nous. Les saisons de l'Égypte ancienne avaient des noms, c'était en fonction de la crue du Nil. Et quand il y avait la crue du Nil, ben les maisons qui avaient les pieds dans l'eau, elles souffraient. Elles étaient affaiblies, elles se démolissaient facilement. Ce qui fait que les Égyptiens avaient pris l'habitude de bâtir leur maison pas en pierre, pas en bois, en argile, en briques, mais en briques qui n'étaient pas cuites. Donc c'était très, assez fragile. Et chaque fois qu'il y avait une crue, eh ben, ça pouvait attaquer les maisons. Et est-ce que les pyramides sont fragiles, à votre avis? C'est pas une maison difficile, ça. Oui. Non, elles ne sont pas fragiles, sinon on les verrait pas aujourd'hui. Elles sont en briques crues, les pyramides, à votre avis? Non. Elles sont en quoi? Vous pouvez le dire, là, tous ensemble, elles sont en pierre, voilà. Les pyramides sont en pierre, mais alors pourquoi est-ce que les Égyptiens, ils faisaient des maisons en briques fragiles et les pyramides en pierre? Eh bien, c'est plus comme ça. La pierre était difficile à extraire et à travailler, parce que je vous l'ai dit, au début de la civilisation égyptienne, il n'y avait pas de roue pour la transporter. Donc la pierre était réservée aux dieux, aux pyramides et aux temples.
de Pharaon n'était pas fait intégralement en pierre. Leur maison et les habitations étaient bâties avec ces briques un peu fragiles. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de ruines et de vestiges des temples et des pyramides que de maisons. Parce que les maisons n'étaient pas durables. Et c'est vrai que cette civilisation égyptienne était bizarre. Les cultures étaient irriguées, c'est-à-dire étaient arrosées, non pas par l'eau qui venait du ciel par la pluie, mais par le fleuve. Soit par la crue, parce qu'alors le fleuve grossissait, allait mouiller toutes les terres qui étaient autour, ensuite l'eau se retirait, donc après il suffisait de planter dans la terre humide et ça poussait bien. Ou alors ils faisaient des canaux à partir du fleuve pour amener l'eau jusqu'à leur champ pour irriguer les champs. Voilà, voilà. Qui est-ce qui a pas encore posé une question? Ah, il y a une question ici. Oui. Il dormait dans quoi? Il dormait dans quoi? C'est ça? Alors, pour moi, c'est un peu mystère. Il dormait, la grande majorité des Égyptiens dormaient sur des nattes de papyrus, qui ne devaient pas être hyper confortables. Le papyrus servait à tout. Vous savez à quoi ça servait le papyrus, à part à dormir? Qu'est-ce qu'il peut le dire à mon autre papyrus? Ça servait à fabriquer quoi le papyrus aussi? Du papier. Enfin, l'équivalent de leur papier. Hein. Et donc, ça servait aussi à fabriquer des barques. Il faisait des espèces de, comment dire, de bottes, de faisceaux, de paquets de papyrus qu'ils attachaient avec un lien. Et ils attachaient toutes ces bottes de papyrus en fait pour faire des barques de fragiles. Et ils faisaient aussi des nattes qui déroulaient pour dormir. Donc, les Égyptiens du peuple, la grande majorité dormaient juste sur une natte qui déroulait et ils se couchaient. Et les riches et les nobles, bien sûr, ne se contentaient pas de ça. Ils avaient des espèces de sommiers, de lits, donc un cadre en bois, avec en général, au niveau des pieds, l'équivalent d'une tête de lit au niveau des pieds et pas au niveau de la tête. Hein. Et en guise de sommier, il y avait des tresses, des papyrus qui étaient croisés entre eux, donc ça peut être assez confortable. Et alors, ce qui est un mystère pour moi, c'est qu'on a trouvé dans les tombes des objets que je trouve horribles. Je pense que c'était un peu rituel. Ils appelaient des repose-têtes. Et alors, franchement, moi, je ne vois pas dormir là-dessus. Les repose-têtes, c'était des espèces de... Imaginez une croix, un petit peu en bois, et ils étaient censés dormir entre deux, poser leur tête entre deux... comment dire? Deux pans de bois, comme ça, quoi, un petit peu arrondi. Donc je pense que c'était plus ou moins un objet de représentation plutôt que quelque chose dont ils servaient tous les jours. On sait par ailleurs qu'ils avaient des coussins, puisqu'il y a des détails que je trouve très politiques. Dans les choses de luxe, il y a mention dans les textes de coussins bourrés de plumes de tourterelle. C'est joli, ça fait un peu rêver, donc ça peut être très moelleux. Donc j'ose espérer que la plupart des Égyptiens dormaient carrément à plat, plutôt que sur ce machin en bois, voire pour les riches, sur des coussins bourrés de plumes de tourterelle. Voilà, une autre question. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin de couverture, hein, parce qu'il n'est pas froid. Combien de dieux il existait? Combien de? De dieux. Oula, je ne sais pas. En plus de 20. Plus de 20. Qui est-ce qui connaît les dieux égyptiens? Les noms, hein? Oui, c'est un sujet qui t'intéresse. Osiris, c'est un des plus connus. C'était aussi le dieu qui représente la résurrection, la vie, le printemps. Puisqu'ils avaient des petites statues d'Osiris dans lesquelles ils mettaient des graines à germer. Oui, tu en connais d'autres? Non? Anubis. Ah, à quoi il ressemble Anubis? Il est mystérieux celui-là. Oui, il ressemble à un chien. Alors les égyptologues, donc ceux qui étudient l'Égypte, ne sont pas tous d'accord entre eux savoir si c'est une variété de chien, un chacal, un chien imaginaire. Il y en a qui pensent que c'est une espèce de chacal parce que il y en avait pas mal dans les lieux où étaient enterrés les pharaons, dans les vallées un petit peu désertiques. Il y avait des chacals qui sont un peu par assimilation. On dit que comme Anubis est un peu le dieu de la mort, est-ce que c'est un chacal? Voilà, tu as vu les images, hein, de tête d'Anubis, de tête de chacal. Oui. Tu as une autre question? Tu parles des dieux? Oui. Quelqu'un d'autre veut parler des dieux? Une déesse, non? Personne connaît une déesse égyptienne? Isis. Ou Isis, voilà.
Hathor. Vous connaissez le nom de la déesse Hathor ? Représentée soit comme un hippopotame, pas très flatteur, par priori, soit comme une vache. Parce que, comme dans beaucoup de civilisations, la vache est un animal très apprécié hein, pour le lait qu'elle donnait, pour la viande qu'elle donnait, pour les veaux qu'elle donnait au monde. Donc c'était assez flatteur hein, de l'assimiler à une vache. D'autres suggestions de Dieu. Un Dieu mystérieux, le méchant frère d'Osiris. Quelqu'un a une idée ? Parce que Osiris a été assassiné par son demi-frère, son, qui s'appelle Seth. Ça vous dit quelque chose, Seth ? Ouais. Le dieu Seth. Alors, il est représenté par un animal bizarre qui ressemble à un chien avec des oreilles coupées hein, et un museau qui tombe un peu vers le bas. Donc, on pense que c'est pas lié à un vrai animal qui existe dans la nature. On passe à d'autres questions ? Oui, c'est le micro. Ah, oui. Ah oui. Des livres, oui, voilà, c'est lui, l'éditeur n'a pas voulu que je la continue. C'est dommage, j'aurais bien aimé continuer à prendre mes rires et à l'enquête au bord du Nil. Ah ben, j'ai écrit une fois une série avec une amie pour m'amuser un petit peu, mais qui n'était pas une série historique, mais sinon, j'ai écrit une quinzaine de romans, je crois, chaque fois toute seule. À quel âge j'ai commencé à écrire la musique ? Je sais pas, peut-être à 56 ans. Franchement, je l'ai une colle. Il faut dépendre la date de sortie. 55 ou 56 ans. Je crois. J'ai 60 ans actuellement. Oui, je pense. Et j'ai pu mettre 4 ou 5 ans. Allez. Oui ? C'est-à-dire, ils faisaient rarement la guerre pour le plaisir,
pour aller conquérir des territoires. Par contre, comme c'était un pays riche à cause des creux du Nil, ils étaient souvent attaqués. Donc dans les guerres, il ramène tué des gens, hein, comme dans toutes les guerres malheureusement, mais il ramène aussi pas mal de prisonniers, et c'est assez frappant de voir à quel point la plupart de ces prisonniers étaient assez vite assimilés dans la société égyptienne. Puisque dans l'entourage de Pharaon qu'on connaît assez bien, avec tous les titres, majordome, chambellan, etc., il y a très souvent des étrangers de la deuxième génération qui sont venus comme équivalent d'esclaves, mais ce n'était pas l'esclavage aussi dur que l'esclavage romain qu'on peut connaître. Et quand ils étaient débrouillards, ils étaient désintégrés, ben, apparemment, c'était relativement rapide. Pourquoi je suis devenue autrice? Ben parce que j'étais, quand j'étais petite, une très grosse lectrice. Donc je lisais énormément, j'étais fascinée par tous les livres d'aventure. Et je lisais beaucoup. Et à force de lire, ben j'ai exercé un esprit critique. C'est-à-dire que je disais, oh là là, ce roman, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que ça doit être bien d'être capable d'écrire des histoires comme ça? Et puis, oh ce roman, c'est bien, mais alors la fin, franchement, elle est triste. Moi, si j'avais écrit ce roman, je l'aurais fait finir comme ça, il serait marié à la fin. Ou alors, oh, ce roman, je détestais vraiment. Le style de ce roman est compliqué. Moi, si j'écrivais des livres, voilà. À force de lire, eh ben, je me suis mise en situation de qu'est-ce que ça doit être bien d'écrire, qu'est-ce que j'aurais aimé devenir autrice. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait jeune. C'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été quand j'aurais eu un petit peu une autre vie avant. Parce que ben, c'est un travail assez solitaire d'écrire. Seul dans son coin, même si on contacte quelques personnes pour avoir des informations, ce qui est rare pour moi, par éditeur et des livres, on est tout seul. Donc j'avais envie de faire ça à 40 ans. Je l'ai fait à 40 ans. Voilà. Ah, je oui, je suis ah, bah, tout à l'heure, je parle. J'irai
sortir au milieu, ne t'inquiète pas. Oh, vous n'êtes pas à la peine de faire ce que vraiment en différent, mais comment est-ce que vous voulez? Maman, ça fait quoi? Comment est-ce que vous parlez? Non, non, je vais avoir des choses. Donc, voyez les deux, Sur le orange. Sur le orange. Quel âge il a l'air d'avoir pour lui sur l'illustration orange? 15 ans. 15 ans. 7 ans. 7 ans. L'illustrateur ou l'illustratrice montre un héros de l'âge du lecteur auquel on peut s'identifier. Merci beaucoup, Delphine. Et je vais vous montrer encore autre chose. Ce livre, donc, il est sorti avec l'illustration bleue. Il a été traduit dans plein de langues. Il a été traduit en turc, en grec, en espagnol, en catalan, etc. Et je vais vous montrer, ça va vous faire bizarre, la couverture d'un des livres étrangers. Regardez ça. Non, mais je vais vous montrer dans comme ça. Il le voit tous. Alors ça, ils ont photographié une statue, une vraie statue égyptienne, pour faire la couverture de Ori. Mais alors moi, je voudrais vous demander, si vous voyez un livre comme ça à la bibliothèque, qu'est-ce que vous imaginez que c'est? Qu'est-ce que ça passe comme information, cette couverture? Qu'est-ce que vous apprenez en regardant cette couverture? Un livre pour adultes, c'est ça? Qu'est-ce que vous apprenez? C'est un livre qui se passe où? En Égypte. Bon, ça, l'information Égypte, elle passe bien. Est-ce que vous apprenez que c'est un livre pour les enfants? Non. Alors, c'est ça. Le là. Est-ce que vous apprenez que c'est un livre pour les enfants, le bleu? Oui. Et celui-là? Ça pourrait être poésie de l'Égypte ancienne. On voit que l'Égypte là. On ne voit pas que c'est un roman et on ne voit pas que c'est pour la jeunesse. Donc ce que je veux montrer avec cette opportunité de la nuit, c'est l'importance de la couverture et toutes les informations qui viennent dessus. Ce livre, cette couverture-là, ça vous apprend que c'est de la jeunesse. Est-ce que c'est un guide de l'Égypte pour la jeunesse? C'est un roman. Et on voit quoi? On voit que c'est un roman d'aventure. Parce qu'on voit un personnage avec la tête du dieu Anubis et on voit le héros Ori qui a votre âge caché derrière un couteau, une colonne sculptée. Donc vous voyez, le choix de la couverture est très intéressant. Pour les Ori, regardez ça, c'est pas fini. C'est ce qu'on appelle un crayonné. Donc, là,
malheureusement, les représentations des fêtes ou de la vie quotidienne, ça concerne souvent les plus riches, les gens les plus favorisés. Donc, on sait que les Égyptiens, ils faisaient la fête, ils étaient un petit peu couchés comme les Romains pour manger lorsqu'il y avait des repas de fête. Ils mangeaient beaucoup trop, comme les Romains. Ils vomissaient souvent à la fin parce qu'ils avaient trop mangé. Ils buvaient de la choche. Les salles de fête étaient décorées souvent avec des guirlandes de fleurs. Donc ça, c'était magnifique. Il y avait des serviteurs et des servantes qui leur passaient des plats, qui leur rapportaient des plats. Donc il y avait beaucoup de plats de luxe, genre bœuf grillé. Et il y avait des musiciens et des danseuses. Alors les danseuses étaient nues ou quasiment nues. Hein. Les Égyptiens, ça ne vivait pas beaucoup, c'est un pays très chaud. Ils n'étaient pas très publics. Donc les danseuses, souvent, étaient nues ou vêtues juste avec leurs bagues. Elles avaient des espèces. Est-ce que vous connaissez les castagnettes espagnoles? Elles avaient des espèces d'instruments comme ça, qu'on claque avec les doigts, pour rythmer leur danse. Et elles étaient ravissantes. Elles étaient très jolies, elles étaient maquillées. Ils apportaient beaucoup de soins à leur tenue. Et les groupes de musiciens étaient payés pour animer les fêtes. Donc, il y avait plutôt des spectacles de danse pour les gens qui mangent que les gens qui se levaient tous pour danser, tu vois. C'était plutôt on mange et on fait un beau spectacle comme on n'en trouve pas. Ça, c'est les représentations qu'on voit sur les tombes. Et les musiciens, il y a beaucoup de représentations de artistes qui sont aveugles. Donc, je ne sais pas si... Il y avait beaucoup de maladies des yeux à des études anciennes, c'est possible. Et il y a beaucoup de représentations de musiciens qui sont aveugles. Le micro est là, monsieur. Le micro. Oui, le micro. Oui, oh, c'est bon, j'ai l'impression. Alors, il est réglé, mais le prêt de ta bouche, il parle bien fort. Très bien. Alors, c'est pas moi qui ai proposé le livre, c'est le comité de sélection, donc là, je renvoie à Delphine. Alors, oui, je vais expliquer. Alors c'est vrai que la comité de sélection n'a pas été réunie récemment, vous avez peut-être entendu parler, mais donc le prix a été créé par un groupe de copains qui à l'époque était en CE2, CM1. Ils avaient rencontré un certain nombre d'écrivains. Et ben, en fait, quand on fait venir les écrivains, ben, il y a un petit salaire à payer tout ça, donc les écoles elles n'ont pas forcément les moyens. La MLC a gentiment proposé d'héberger. Mais en fait, c'est un prix entièrement créé par des enfants et géré par des enfants. Donc en fait, aujourd'hui, moi je représente ma fille qui était la jeune ingénieure qui était enregistrée au début. Mais je suis juste là parce que maintenant elle est en cinquième, donc elle ne peut pas assister aux réunions. Mais donc ce groupe d'enfants, l'origine ils étaient 5, à la fin ils étaient 12, sélectionne 4 livres, donc c'est eux qui ont sélectionné ces livres. Donc les conditions, c'est qu'il fallait que ce soit un auteur francophone. On pouvait faire venir, donc il n'était pas au Québec par exemple, tu vois, on peut faire venir ici, et donc il soit vivant. Alors en gros, pour être fan de Victor Hugo, on ne pourra pas vous faire venir, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc c'était les seules conditions, et c'est eux qui ont fait la sélection en fait. Et Aliénor a choisi ce livre-là parce que c'était le tome 1, même si on préfère un peu le tome 2, mais on sait que c'était plus sympa de se présenter comme le début de l'histoire plutôt que la fin. Et parce qu'à l'époque, là, il se trouve que. Il se trouve que c'était son livre préféré, tout bêtement. De tous les romans qu'elle avait lus à cette époque-là, et ça a très longtemps été jusqu'à ce qu'elle arrive à se prendre en sixième, c'était vraiment ses livres préférés qu'elle relisait à peu près tous les mois. Ah, mais j'ai de la chance. Voilà. Donc voilà l'explication. Mais bon, c'est dommage d'avoir pas été sur là pour t'expliquer, mais en fait, voilà, c'était ça. Alors, je t'écoute. Je te pose ta question. Celui qui a le micro qui parle. C'est qui a le micro? Je voudrais que ça, je vais poser la question là. Voilà, c'est lui. Pourquoi il marche pas sur les mots? Il a été éteint. Je ne sais pas, mais on entend rien. Non. Allô? Dans ton rang, il y a pas d'autres questions. Ensuite, on va prendre.
les traditions en Égypte. Alors, les traditions en Égypte, il y a des cérémonies ou des fêtes qui sont liées à la crue du Nil, tu vois, et notamment au printemps, d'avoir une petite statue d'Osiris dans laquelle on plante des graines de blé qu'on fait germer pour montrer la symbolique de la vie, la victoire sur la mort. Par contre, la religion égyptienne avait quelque chose d'assez spécial et d'assez bizarre. Je ne sais pas si certains d'entre vous viennent de familles où il y a des traditions religieuses chrétiennes, juives ou musulmanes, mais les lieux de culte qu'on connaît dans nos grandes religions, normalement, on y va. C'est-à-dire, on va à l'église, on va à la mosquée, on va au temple. Et les Égyptiens, bizarrement, ce n'était pas comme ça. Les Égyptiens, il n'y avait que les super prêtres et autres qui avaient le droit de rentrer dans les temples. Donc, l'Égyptien normal, l'Égyptien moyen, si je peux dire, quand il circulait dans sa ville, il voyait ce grand temple énorme avec ses énormes statues de pierre de Dieu, mais il n'y rentrait pas. Par contre, de temps en temps, le Dieu qui était représenté par une statue sortait. Et il y avait des espèces de processions où on sortait des statues. Donc ça, moi, en tant que romancière, j'essaie de me mettre à la place des gens, et j'imagine que ça devait être des fêtes très impressionnantes pour les Égyptiens quand ils voyaient enfin sortir la statue qui, le reste du temps, était cachée dans ce temple mystérieux. Les temples égyptiens, ils avaient des constructions assez particulières. L'entrée du temple, avec ce qu'on appelle les grands pylônes, c'est-à-dire entourés de grands forges de pierre, c'était très haut. Ensuite, on rentrait dans une cour avec des colonnes qui étaient un peu moins hautes. Ensuite, il y avait une première pièce qui était encore moins haute. Une deuxième pièce où on rentrait encore moins de prêtres qui étaient encore moins hautes. Et puis, il y avait d'autres petites pièces au fond, avec ce qu'on appelait le naos, une petite boîte, un petit hôtel fermé dans laquelle il y avait la statue du Dieu. Alors là, il n'y avait que le super prêtre, le grand prêtre, qui avait le droit de rentrer et de voir et de vénérer cette statue, de lui apporter des aliments en mouvement, etc. Et donc, quand ces statues avaient le droit de sortir, c'était des grandes fêtes, pour parler d'une organisation sur les traditions. Je pense que ces fêtes de procession annuelle étaient très importantes pour les Égyptiens. Alors le micro, je l'ai envoyé, il n'est pas là-bas. Il est où le micro? Oui, vas-y. Est-ce que vous avez des idées de noms pour vos amis? Non, parce que je suis en train de réfléchir au prochain, de faire des choix, mais je n'en ai pas encore. Et c'est très important, le nom. Et là, dans ces romans-là, je n'ai pas eu besoin de changer les titres. Mais des fois, les éditeurs ne sont pas d'accord avec les titres que je propose. Donc, ils me demandent de les changer. Et j'aime pas ça, je peux faire mon titre à moi, a priori. Alors, où est le micro? Où est-ce qu'il y a un problème? Vas-y. Ils ne s'habillaient pas beaucoup, déjà, par rapport à nous, ils avaient des habits assez légers, par contre, ils étaient très coquets. Ils avaient beaucoup de très beaux bijoux, même les plus beaux avaient des, qu'on appelle des amulettes, c'est-à-dire des petits bijoux, souvent représentant un dieu ou un scarabée. L'amulette est très importante dans cette histoire. Ils avaient souvent des palmes, garçons et filles, hommes et femmes, qui quittaient assez facilement pour se baigner, pour faire des travaux physiques. Et puis, à l'époque que je décris là, au Nouvel Empire, il y a eu des modes de vêtements, surtout pour les riches, qui étaient en lin, et pas du coton. Hein. Le coton n'était pas comme en Égypte. Ils avaient des espèces de robes drapées, et il y a eu une époque où ils avaient même des robes, des riches toujours, un peu tout plissées. Donc ils devaient avoir des presses, des appareils en bois pour faire les plis. Et c'était souvent blanc ou pas blanc très pur, hein, je pense. C'était souvent un peu beige, tu vois, leurs vêtements. Les chaussures étaient assez rares. C'était, comme toujours, en quoi étaient les chaussures, à votre avis? Quelque chose qui sert à tout, un matériau qui sert à tout, dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a une idée en quoi étaient les chaussures? Oui? Non, pas en quoi? Non, je pense. Hein? Oui? Oui, en papyrus. Bravo! Les chaussures étaient en papyrus, ça sera tout! On mangeait même le cœur du papyrus pour les enfants qui venaient d'être sevrés, c'est-à-dire qui n'étaient plus allaités par leur mère, et pour les vieillards qui n'avaient plus de dents. On mangeait des cœurs de papyrus bouillis, ça devait être un truc assez mou, qui ressemblait peut-être, je ne sais pas, au cœur de palmier. Voilà, merci.
ils avaient des problèmes de dents parce qu'ils fabriquaient la farine avec des meules en pierre. Et la qualité de pierre qu'ils utilisaient était telle qu'il restait souvent des petites poussières de pierre. Donc si vous mangez tous les jours pendant 30 ou 40 ans du pain dans lequel il y a une espèce de sable, ça finit par vous esquinter les dents. Alors, je ne sais pas pour le micro, on va peut-être le changer de côté. Vous pouvez aussi dire, on va avoir des questions, c'est terrible. Allez, la dernière question, je suis allée. Est-ce qu'il y a des marques? C'était pas une fête religieuse comme dans beaucoup d'autres civilisations,
Et par contre, ce que je peux te dire, c'est que il y avait des contrats de mariage. C'est-à-dire que la femme égyptienne, quand elle était mariée, elle pouvait rester propriétaire d'une maison, d'un atelier. Il y avait beaucoup d'Égyptiennes qui travaillaient, qui avaient des ateliers de tissage ou autre. On a retrouvé des contrats de mariage, de séparation entre les biens, où chacun avait gardé la jouissance de ses biens, de ses maisons, de ses champs, ce qui est complètement atypique à l'Antiquité et même autrefois. On n'avait pas autant en France pendant très longtemps. Mais la fête de mariage elle-même, il n'y avait pas de robe de mariée ou de choses dédiées au mariage. C'était un grand danger. C'est quoi votre livre préféré? Alors, les livres que je lis ou les livres que j'écris? Que vous avez écrit? Ah, c'est dur. Bah, moi, j'ai une tendresse particulière pour Rory, parce que c'est le premier livre que j'ai écrit qui se passe en Égypte ancienne. Et aussi mon premier roman croisé qui s'appelle Le printemps des enfants perdus. Mais chaque livre a un petit peu une histoire. Et j'ai bien aimé écrire aussi L'étrangère, parce que ça parlait du statut des étrangers à l'Égypte ancienne, et c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé. J'aime bien écrire des livres qui n'existent pas encore. Alors, bon, évidemment, d'un auteur à l'autre, le sujet n'est jamais traité de la même façon, mais quand je trouve un sujet que je trouve un peu pointu et qui n'a jamais été traité ou très peu, je trouve ça encore plus intéressant. Ensuite, je crois que c'est le jeu d'un enfer. Oui, vas-y. Pourquoi s'appelle le Vestus? Ah, mais il faut le lire pour savoir. Parce que le père de Mélie est arrêté, l'histoire commence comme ça. Mélie mène une vie tranquille avec son père, et son père, brusquement, est arrêté, on le considère comme un traître au dieu Amon. Il est accusé de vol alors qu'évidemment il est innocent. Donc Mélie est considéré comme le fils du traître. Voilà pourquoi le titre. Avec des cordes
Donc c'était un travail qui mobilisait des centaines d'hommes. Ensuite, la roue a été inventée et ils avaient des chars tirés par des chevaux. Soit. Mais il n'y avait pas de voiture. Qu'est-ce qu'on a avec les Égyptiens ou pas ? Énormément de choses. L'électricité, l'eau courante, les voitures, les moteurs. Bien entendu, les moyens d'information et les moyens de transport étaient différents. Donc, comme ce pays est tout en longueur, il fait des centaines de kilomètres de long, il voyageait essentiellement en bateau ou à pied. Les Égyptiens de base, les Égyptiens moyens ne montaient pas à cheval. Les chevaux, c'était pour les chars, pour la guerre, pour Pharaon, hein, mais ce n'était pas des cavaliers. Ils utilisaient quelques ânes, ils montaient assez peu les ânes, ce n'était pas très valorisé. Donc ils voyageaient beaucoup par bateau ou en marchant. Ah, alors, il y avait les chevaux qu'on vient de citer, il n'y avait pas encore les chameaux, les bourrelèvres, il y avait des ânes, ils avaient des chiens, et un autre animal qui était très connu en Égypte ancienne, c'était même devenu un dieu, à votre avis, un animal familier qu'on connaît très bien. Un chat. Parce qu'il y a même eu dans la ville de Bubastis des chats sacrés. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les chats sacrés de Bubastis aussi. Il y a des momies de chats. Si vous allez un jour à Paris au musée du Louvre, il y a dans la période après des pharaons qui sont venus bien après Ramsès III, il y a une période où c'est des momies avec tous les animaux. Il y a même des momies de scarabées au Louvre. Il y avait des hippopotames qui étaient un animal très dangereux parce qu'ils attaquent les barques et les pêcheurs. Donc les Égyptiens qui se déplaçaient sur les barrières avaient très peur des hippopotames, à juste titre. Et il y avait des singes. Est-ce qu'on voit un singe sur les aventures de Horus? Donc dans les aventures de Horus, il y a non pas deux amis, mais trois amis. Horus a posé ses amis. Et l'un des deux garçons a comme animal familier un petit singe vert. Donc il y avait plusieurs familles de singes dont ils se servaient, qui étaient apprivoisés. Il y avait des tout petits singes, qui étaient un peu comme les Yorkshire des Égyptiens, c'est-à-dire des petits animaux familiers apprivoisés de poche, je dirais. Et puis les grands singes, les babouins. Écoutez-moi la SM, c'est intéressant. Les grands singes babouins, qui sont assez agressifs, étaient utilisés comme singes policiers. On a des images dans les tombes de policiers qui tiennent en laisse des singes qui attaquent des voleurs qui s'enfuient. Donc on pense que les policiers égyptiens, qui avaient pour armes des bâtons, disposaient aussi de babouins d'attaquer. Moi, j'aurais pas du tout envie d'être attaqué par un grand singe comme ça, avec des énormes dents qu'on trouve après, on va bien sûr beaucoup plus vite que moi. Donc, il y avait aussi des serpents, l'ancienne, qui évidemment n'étaient pas apprivoisés. Hein. Et les chats, il y avait une vénération pour les chats. Et les chats égyptiens, contrairement à ce qu'on peut imaginer en voyant les statues et les bronzes, n'étaient pas noirs. C'était des chats qui étaient rouges, foncés. Une question ? Et j'ai écrit deux ou trois albums pour les tout petits, et j'ai écrit aussi pour la presse, des histoires pour la presse jeunesse. J'ai écrit quelques comptines, j'ai fait un recueil de comptines. Et là, ça fait quelques années que je fais quasiment que le côté romain. La demande est en pause. Si tu arrives à parler assez fort sans micro, non, tu arriveras pas. Alors, le micro aussi. Et tu fais une grosse voix et tu parles fort. Des bijoux ? Ah ! Des bijoux. Et des magnifiques. Il y a beaucoup de mines d'or en Égypte. Donc les bijoux étaient beaucoup en or, avec des tas de pierres précieuses de couleur, mais qui n'étaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui des pierres précieuses. C'est-à-dire, les pierres précieuses, ce sont des pierres qui sont un peu transparentes aujourd'hui. Le diamant. Est-ce que quelqu'un connaît des pierres précieuses ? Oui, vas-y. Le rubis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Allez-y. La jade.
Ah, la jade, c'est un peu différent. Les pierres transparentes, diamant, rubis, le bleu, vous savez, le saphir, et le vert, une pierre verte, oui. Les émeraudes, voilà. Ça, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des pierres précieuses, transparentes et colorées, très belles. Les Égyptiens n'avaient pas ça. Ils avaient des pierres qu'on appelle pierres dures ou semi-précieuses, tu as cité la jade. Je ne sais pas si elle est là en Égypte, par contre, il y a une pierre bleue très connue qui est la turquoise, qui est le bleu un petit peu de la couleur du ciel dans l'étranger. Donc il y avait de la turquoise, il y avait de la cornaline, il y avait des pierres colorées. Et ils avaient des magnifiques bijoux et un bijou qu'on porte sur la poitrine qui s'appelle un pectoral. Est-ce que j'ai des photos de pectoral? Et c'était des très gros bijoux et très lourds. Ah bah c'est voilà. Ça évidemment, c'est pas pour les Égyptiens qui avaient ça, hein. C'est plutôt le pharaon. Donc vous voyez, c'est une grosse sac de métal, il faut la faire passer entre vous si vous voulez. Et voilà, avec au milieu, je vais faire passer la grosse pierre noire, c'est un scarabée. C'est pas grave, parce que vous faire passer, merci. Donc, le collier est en or, et la grosse pierre du milieu, c'est un scarabée sur lequel on va mettre une formule magique. Il s'appelle un scarabée du cœur. Et là, c'est des petits singes, parce qu'il y a des photos des petits singes. C'est mignon, hein. Les petits singes vont envoyer les Égyptiens. Alors, on va arriver sur les dernières questions. On dit trois dernières questions, puis on arrête. Alors, est-ce qu'il y en a certains qui ont le droit levé et qui n'auraient pas posé de questions? Les gens, vous baissez les mains. Ceux qui ont déjà posé des questions, vous baissez les mains. La deuxième qui a déjà posé des questions, ils sont pas passés de la main. Je crois que le garçon blanc, je ne pense pas qu'il y en a une idée. On n'en a pas. Il faut des autres thèmes. Est-ce qu'il y avait des saisons? Oui, il y avait des saisons qui étaient liées à la chronologie. La saison chez nous, il y avait des noms particuliers. Hein. Oui, dis-moi. Oh là là, j'entends pas. Les bateaux. Ah, alors les bateaux étaient soit des barques qui étaient faites juste pour naviguer l'enfant dans les marées. Avec des grottes de papyrus nouées entre elles, soit des bâtons en bois pour descendre ou pour remonter le fleuve de Nil. Mais il n'y avait pas de grands arbres en Égypte ancienne, donc il n'y avait pas des grandes planches. C'était fait avec des petits bouts de planches cloués les uns aux autres. Comme quand ils trouvaient, c'était avec des chevilles en bois, et même pas des trous en métal. C'était pas des grands navigateurs. Ils n'allaient pas trop, ils n'allaient pas sur la mer, tu vois, par exemple, ils se contentaient du fleuve. Ils n'étaient pas téméraires, c'est pas eux qui auraient découvert l'Amérique, qui auraient traversé ces grandes mers. Mais voilà, les navigations se faisaient en bateau, sur des bateaux avec des petites planches d'acacia. D'autres questions? Thank you.